Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 16e épisode de ma carrière joueur. On est toujours à Chelsea, mais avant de commencer les gars, je tenais vraiment à vous remercier pour les 1000 abonnés. C'est la première vidéo que je tourne, on va dire, après ce magnifique point de passage. C'est vraiment incroyable, 1000 abonnés, c'était l'objectif de la chaîne. N'y est arrivé maintenant, c'est que du bonus. En tout cas, merci à vous tous. Merci de liker au quotidien, de regarder, de me soutenir surtout. Ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez continuer à le faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo hein, et à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, on va s'attaquer à la carrière. Je vais essayer de vous faire kiffer, de vous rendre l'appareil. Parce que c'est vrai que là, sur les derniers matchs, c'est un petit peu mitigé. Il y a quelques victoires, comme vous pouvez le voir ici, mais il y a des nuls, il y a des défaites. Et c'est pas ce qu'on veut voir si on veut être premier et surtout passer en Ligue des Champions. On doit déjà gagner à Crystal Palace à l'extérieur. On aura également ce match face à Hajduk Split à domicile cette fois qu'on devra impérativement gagner pour pouvoir se qualifier tout simplement, voire finir premier dans le meilleur des cas. Mais déjà, l'objectif c'est de se qualifier. On aura Burnley également. Manchester United, donc c'est bien, c'est un très beau programme. Et je pense qu'on s'arrêtera à Southampton. On verra un petit peu où on s'arrête là, où on s'arrête là. Parce qu'après, voilà, ça fait beaucoup. On verra bien. Allez, on va voir déjà. On va ouais, s'entraîner. Ok, on l'avait fait, ça c'est parfait. Le 11 de départ, on y est, même si c'est vrai que on n'est pas le meilleur. Regardez encore une fois hein, des offres de prêt à tout va, je les rejette tant que je suis titulaire, ça sert à rien. Ok, on continue. On va également regarder le classement avant de commencer. Au moins, vous êtes au courant de ce qui se passe. Les Spurs premier, Manchester City second, United troisième et nous on est quatrième. Ok, bon on n'est pas loin, hein. On est à égalité avec United qu'on affrontera donc. Faut pas perdre une seule fois jusqu'à les affronter et enchaîner avec une victoire face à eux, ce serait super. On va également voir les infos, voir s'il y a du nouveau. À part les propositions de prêt, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Joueur du mois, on peut oublier vu comme on est nul en ce moment. Mais comme je l'ai dit, on va se rattraper directement. Crystal Palace, j'oublie à chaque fois de regarder le classement. 13 points, je dirais qu'ils sont 15e. 16e, putain, j'étais presque, ok. Allez, on y va directement. Est-ce qu'il y a du nouveau? Je suis énormément fatigué apparemment. Donc on va essayer de se conserver le mieux possible parce qu'après en Ligue des Champions, faut gagner. On verra, je pense, si on gagne 2-0 ou quelque chose comme ça, les gars. Je sortirai à l'heure de jeu, je pense, ce serait pas mal. Je sais pas si Fofana est titulaire d'habitude. Non, je crois pas, je crois que c'était Thiago Silva, donc à nouveau. Madueke sur la droite, ok, ça fait plaisir, de nouvelles têtes, de nouvelles apparitions, à voir en quoi ils pourront nous aider sur le terrain. Ok, il y a du monde, on est parti. Allez, la première occasion peut-être par-dessus. C'est passé, je suis seul, s'il peut me trouver, je vais tenter la frappe. Putain, je voulais faire un extérieur, la frapper du droit, dommage. Ok, je l'ai laissé passer, ça a feinté le défenseur, je me retrouve donc en face à face, je vais l'enrouler, oh elle est dégueulasse. Pourquoi pas, là-dessus de la tête. Ok, je l'ai toujours. Je l'ai toujours. On revient, c'est bien fait. La frappe d'Enzo Fernandez, dommage, on pousse. Ok, on s'appuie. Et je repars derrière, je la tente. Cette frappe, quel arrêt encore. Attention. Attention dans le trou, oh, ils conservent leur avantage du coup. Putain, première action, ça fait chier. Hein. Vraiment, on a eu pas mal d'actions. Mais malheureusement, à chaque fois, on bute sur le gardien, surtout moi. Faut vraiment que je m'améliore en finition parce que là, c'est pas possible. Quand on voit la différence de niveau, un tir, un but, sans bouger en plus. Allez,
J'y suis. Je l'enroule. Cette balle! Oh, elle est magnifique! Elle est magnifique, elle est resplendissante, cette frappe. Pleine lucarne, enroulée, on parlait de finition. Là, on parle avec les grands joueurs. Magnifique. 17 mètres, elle est partie super bien. Le gardien qui était très masqué. Elle part quasiment pleine lucarne. Donc, ça fait plaisir, on égalise coup sur coup. Ok, fin de la première période, les gars, pour l'instant, un partout. C'est assez serré sur le score, mais pourtant, au niveau des frappes, ils sont qu'à une frappe, normalement. Je vous ai pas revu frapper depuis ce but. En tout cas, on est revenu à un score vierge, donc tant mieux. Maintenant, faut passer devant. On va voir un petit peu au niveau des stats, ça m'intrigue, mais ouais, c'est ça. 10 tirs à 1, les gars. On peut le faire. Allez. J'y vais. Il m'a taclé. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. La frappe lointaine qui passe pas loin. Attention. Oh non. Non, non, non. Putain. Heureusement que Kepa est là vraiment. Parce que c'est pas normal ce défense. Attention. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas possible. J'y crois pas. Je lui demande dans les pieds. Je pensais qu'il allait me la mettre à terre, les gars. Je sais pas ce qu'il a inventé avec le bras. Je voulais partir en contre-attaque. Regardez ça. On me voit même pas la demander, mais je sais pas. Il me la met même pas à moi, déjà. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Non, oh putain, comme il a trouvé là. Bien joué, Kepa. C'est pas fini, par contre. C'est pas fini par contre. Allez, s'il te plaît, Kepa. Oh là là, incroyable. Incroyable, il nous sauve. On s'appuie encore. Bien joué. Ok. Arrater. Oui, on finit. Allez, il reste 8 minutes, on va aller gagner ce match. C'est pas normal déjà qu'on s'en prenne deux. Mais on partira pas d'ici sans la victoire. Incroyable là. Il a très 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 bien mise. Subtil. Enzo Fernandez encore. Et là, cette fois-ci, finition chirurgicale. C'est ce qu'on veut voir. Incroyable. Oh là là. Putain, fin du match, les gars. Doublé. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. On n'a pas encaissé beaucoup de tirs, mais on n'en a pas mis beaucoup. C'est ça le problème, en fait. Hein. Parce qu'on a eu les actions, comme je le répète, surtout moi, mais je sais pas. J'y suis pas arrivé. Deux buts pourtant, mais j'aurais pu en mettre, je pense, 5. Hein. 15 tirs à 6. Et on fait match nul. Aïe, aïe, aïe. Dès qu'on finit cette période de Ligue des Champions, va vraiment falloir remotiver les troupes et gagner plus de matchs. Parce que là, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on se concentre. Ligue des Champions. Et après, on reparlera championnat. Mais là, objectif, les gars, regardez. On est second avec 9 points. On affronte pour ce dernier match Hajduk Split qu'on doit impérativement gagner. Et avec du coup 11 points, on pourrait passer leader. Tout dépend du résultat entre Benfica et Dortmund. Mais regardez, en fait, s'ils font match nul et qu'on perd ou qu'on fait match nul, il y a des chances que tout soit égalité et qu'on passe troisième, en fait. Enfin, c'est compliqué, on verra ça. De toute façon, on se pose pas de questions, pardon. Il faut gagner absolument. On va juste voir s'il y a du nouveau concernant les infos. Putain, encore une offre de transfert alors que je mets un doublé. Allez, stop avec tes offres de prêt là. Hop. Allez. On y va. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau des infos qui pourrait nous intéresser? Les stars de la semaine, j'y suis pas malgré un doublé. Mais bon, après, on a fait match nul. Les joueurs sont prêts et concentrés. Ok. On sort du bus. C'est à l'extérieur du coup? Ah non, à domicile, ça c'est bien. Ok, on est parti les gars. Regardez ça les gars. Incroyable. On va quand même passer, on sait jamais que ce soit copyright. Mais en tout cas, magnifique ce vestiaire. Le tifo. Magnifique. Espérons que ce soit vraiment pas notre dernier match. Hein, parce que on en a besoin de cette musique, de cette ferveur et de ce genre de match.
Allez, on passe direct, les gars. On va la réécouter, cette musique, vous inquiétez pas. Ok, ça joue une touche. C'est beau, c'est ce qu'on veut voir. Bien joué, encore. Encore. La frappe et le but. Incroyable, enfin l'extérieur du pied. Quand il se fait, il y a tout qui change. On va aller voir les supporters parce qu'ils méritent, c'est grâce à eux. Incroyable, regardez ça avec Sterling comme il trouve super bien. Et après l'extérieur, je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Vu comme elle est partie et comme elle a contourné le gardien. C'est ce que je voulais. C'est ce que j'ai fait. Incroyable. 5 buts en 4 matchs. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, pour l'instant, on mène 1-0 à la fin de cette première période, les gars. Enfin, on arrive à marquer et surtout avant les adversaires. Et c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Pour l'instant, je pense. Ah, ben, on va voir, je pense. En direct. Non, ils y sont pas sur notre groupe. Ah oui, 1-1. Ok. S'ils font 1-1. Non, je crois s'ils font match nul, Benfica reste premier. Je sais pas du tout. On verra bien, en tout cas, statistiquement parlant, est-ce qu'on domine? Non, ok, c'est très serré. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait 2 tirs. Non, quelle passe! Quelle passe et quel arrêt surtout! Attention à ce corner. S'il est bien tiré, faut faire gaffe! Quel arrêt de Kepa qui nous sauve! Faut pas l'encaisser, Kepa! Magnifique, putain, c'est pas possible. Je vais essayer d'aller les prendre au premier poteau. Allez, est-ce que j'arrive à contrer? C'est bien, il m'a cassé le dos. Mais c'est pas grave, je l'ai encore. Je l'ai encore. Allez, allez, j'y vais. J'y vais tant bien que mal, je vais perdre du temps. Ok. Ok, fin du match. C'était un centre ce dernier geste, les gars, bizarre. En tout cas, heureusement, on gagne 1 à 0 et on a fait un super match, je trouve, malgré le peu de buts. Là, on a été bon collectivement, défensivement et surtout Kepa qui nous sauve 2-3 fois. Je ne sais pas si du coup, en faisant match nul, ça nous aurait mis à la troisième place. En tout cas, là, je pense qu'on est assuré de finir au moins second. Je vais voir ça, hein. De toute façon, on va voir ça. 8-1 de notes, mais vraiment, ouais, je trouve que là, ça va, j'ai fait un bon match, j'ai pas perdu beaucoup de ballons. On a fait que 2 tirs, c'est vrai qu'on n'a pas retiré en seconde période. Pourtant, on conservait bien devant les cages, mais on n'a pas frappé. En tout cas, Dortmund qui s'est donc imposé face à Benfica, j'ai mon trophée d'homme du match, magnifique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus. Et du coup, on va voir combien sommes-nous en Ligue des Champions. Est-ce qu'on est premier? On est premier, incroyable, avec 12 points. Putain, Benfica, les gars, ils sont passés de premier à Europa League. C'est fou. Du coup, on est premier, on prendra les seconds d'une autre poule. Ça, c'est très bien. Et du coup, Dortmund qui se qualifie quand même. Nous avait gagné 5-1. Franchement, c'était vraiment incroyable. Ils jouaient vraiment bien. Et je sais même plus combien on avait fait au retour. C'est une bonne question. Ok, on avait gagné 2-1. Ah ouais, je crois que j'étais entré en cours de jeu, je sais plus exactement. En tout cas, on va s'entraîner et cette fois-ci, dans ce match, on prendra du repos, les gars. Parce que du coup, j'ai pas pu en prendre. Je sais pas pourquoi ça m'a fait recommencer ça. C'est pas grave. Hop. Toc. On va se mettre les passes. Hop. Et on va se mettre des dribbles. Voilà, parcours de dribble, tout simulé. Ça, c'est fait. On est titulaire plus que jamais. Je pense que là, je commence à regagner la confiance de Frank Lampard. En tout cas, je l'espère. On va déjà simuler jusqu'au match face à Burnley. Du coup, Burnley, 8 points. Donc ça, je dirais que c'est du 17e, on va dire. Ok, 18e. Putain, à chaque fois, d'une place. Ok, qu'est-ce que je voulais voir d'autre du coup? On est toujours quatrième. Manchester United qui a dû perdre en même temps que nous parce qu'ils sont toujours à 28 points. Ou en tout cas match nul plutôt, ouais. On avait fait nul. Et du coup, on pourra leur passer devant en cas de double victoire. On verra bien comment ça se profile. On va également
voir les infos, pas de but encaissé, incroyable Kepa, vraiment meilleur gardien du monde. Et du coup, rien de fou, le club accède à la phase, pardon, à élimination directe. D'accord. On va voir si on a une autre adversaire. Ouais, non, on verra plus tard en vrai. On verra plus tard. On va déjà se concentrer sur ce match où on sortira très tôt pour pouvoir être frais face à Manchester United. Allez, 5 buts dans les 3 derniers matchs. Faut continuer sur cette lancée. Également sur le fait de faire une victoire, ce serait bien. Comme je l'ai dit, ouais les gars, je vais sortir un petit peu avant. Ok, encore un magnifique tifo. En tout cas, les supporters, ils nous proposent du beau spectacle. Et ça nous permet de nous motiver. Incroyable, DJ Drogba, dédicace mon frère. Allez, on est parti. Super cette passe. Allez, Rhys James qui me la remet. Je rentre dans l'axe, je rentre dans l'axe, je rentre dans l'axe, je rentre dans l'axe. Et premier poteau, dommage. Ok, la récupération, elle est pas mal. Faut finir, s'il te plaît. Ok, il décale. Parfaitement bien, Berardi. J'y croyais pas, cette passe. Elle était tout en finesse. Et Sterling, encore lui, qui marque. On peut dire qu'il est de plus en plus présent et ça fait plaisir de pas être seul en attaque. Première récupération là-dessus. Et là, la passe, elle est magnifique. Franchement, je l'avais même pas vue. Et quelle finition. Parfait, les gars. Ok. Fin de cette première mi-temps, les gars. Franchement, pas énormément d'action, on va pas se mentir. Mais en tout cas, on gagne. C'est le principal. C'était le plan principal de ce match, de mener au moins en première période pour que je puisse sortir tôt dans le match. Bon, je vais pas sortir direct, je pense, à mon avis. Je crois pas que je puisse. Ouais, voilà. On va attendre la 60e, les gars, et on va aller se reposer tranquille. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Ok. Ok, là-dessus. Encore. Ça passe peut-être encore? Ok, les gars, je peux demander le changement. On va sortir, on gagne 1-0. Et je pense qu'on va simuler tranquille. Franchement, je ne me vois pas me taper tout le match. Je leur fais confiance. J'ai pas fait grand chose, en tout cas, on a gagné pour le moment, on va voir ça. J'espère pas avoir une mauvaise surprise. Magnifique, le doublé de Berardi pour conclure magnifiquement bien ce match. Et du coup, je pense que ça va nous faire du bien au classement, on va voir ça. Peut-être une faute de Manchester United juste avant notre confrontation face à eux. On va voir ça, j'ai pas l'impression. Ok, là on est toujours à égalité, donc ça veut dire qu'ils se sont imposés. Ouais, 3-0 face à Watford. Donc ce sera un très gros choc à suivre sur les antennes. On va simuler jusqu'au match. Ça sert à rien de s'entraîner. Ça va nous épuiser plus qu'autre chose. Et c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, peut-être qu'on leur passera devant avec une victoire. C'est même sûr. Mais pour ça, faut gagner tout simplement. On n'a pas de points de compétence. On va par contre voir au niveau des infos. Peut-être qu'il y a un petit truc. Ok, non, les meilleurs de la semaine, c'est logique que j'en fasse pas partie. Faudrait d'ailleurs que je retrouve ma forme que j'avais, surtout à Venise, parce que là, c'est dommage de plus faire partie des meilleurs de la semaine à chaque fois et de plus avoir des trophées d'homme du match. Ok, le duel Manchester United, Chelsea, c'est tout ce qu'on aura comme info. On va y aller, les gars, pour ce match. Voici donc les compos, les gars, avec un Manchester United vraiment au top de leur forme, j'ai l'impression. Une grosse équipe. Sergi Roberto, par contre, à droite, bon, on va pas calculer ça, il est éclaté, on va pas se mentir. Et sinon, je crois que c'est Alphonso Davies à gauche, il y a eu du gros recrutement. Immobilier en pointe, ça va être chaud, mais on va voir un petit peu. De notre côté, c'est la même équipe que d'habitude, l'équipe, j'ai envie de dire, type, ou en tout cas du moment. Donc c'est parfait, on va aller directement sur le stade pour en découdre. Les supporters sont là, les gars, c'est le choc. Incroyable. On va passer, on sait jamais si la musique est copyright encore une fois. Ok, l'entrainte dans laquelle on va devoir aller gagner Old Trafford, les gars. Ça risque d'être compliqué. Il y a des gros joueurs.
mais on peut le faire. Bien. Bien joué. Je suis passé. Je dois la finir. Oui. C'est dedans, les gars. Le premier but du match. Il est signé par moi-même. On éteint Old Trafford après 21 minutes de jeu. Incroyable, très beau contrôle orienté qui me permet de me retrouver en face du gardien Remiro. Et la frappe, elle est superbe. Ça fait plaisir de s'être amélioré en finition. 9e but en 13 matchs de championnat. Je commence à reprendre du poil de la bête. Les passes s'enchaînent bien. C'est bien ça, le beau décalage. Le ballon pour Allez, Harry James. j'y suis. S'il arrive à me trouver, l'enchaînement, putain. Bien, j'y suis. Pourquoi pas l'enrouler? Oh, dommage, j'ai voulu tenter le beau jeu. Allez, je peux y aller, j'ai du champ. Ok, le beau geste technique est passé. Encore, encore. Allez, le deuxième, je suis passé encore. En retrait, pourquoi pas l'action de folie, dommage. Allez, on laisse pas sortir, nickel. 1-0, ça aurait pu faire but cette petite percée de fin de première période. Mais on s'en sort quand même avec un but à 0 à la mi-temps. Donc c'est très bien. On va voir un petit peu niveau stats, je pense qu'on domine. On va voir ça. Ouais, voilà, ils ont pas tiré. Heureusement pour nous, parce que je pense que ça peut faire mal avec Immobilier. En tout cas, on domine. Faut continuer comme ça. Et on va gagner. Ça joue sur Fred. Avec Davis. Et ça passe par Ça passe pas là, les gars. Oh, quel arrêt. C'est bien. Je la décale. Une touche, un talonnade pour Enzo Fernandez. Qui peut s'avancer et frapper. Quel arrêt. Non. Oh non. De la perdre ici, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Sancho qui égalise alors qu'on était si bien dans ce match, les gars, on était plus proche du 2-0 que de l'égalisation. Et pourtant, je l'ai dit, hein, qu'il fallait faire attention parce que leur première occasion, ça pouvait être clinique et la preuve en image. Putain, c'est pas possible. Allez, allez, faut vraiment le mettre. Mais non, on n'y arrivera pas, les gars. On n'y arrivera pas à s'imposer face à Manchester United alors qu'on. On aurait pu vraiment gagner de 3-4 buts d'écart facile si on mettait nos occasions. Malheureusement, la finition de Manchester United a été prouvée là-dessus, qu'elle était très bien. Putain, je suis dégoûté. On aurait pu le faire, hein, vraiment. 4 tirs à 6. Ouais, vraiment dommage. Mais bon, on se quitte sur ce score. Faudra donc assurer sur les prochaines rencontres. Pour pouvoir leur passer devant. Ah non, je crois qu'on les rejoue en fait dans 2 matchs, il me semble. Je crois qu'on les rejoue, on va aller voir ça. Ok, ben la revanche, elle est pas loin, les gars. C'est à mi-championnat face à Manchester United le 27 décembre. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. On va continuer déjà jusqu'au prochain match. L'Aspal qui me propose un prêt, mais non, je reste à Chelsea. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on est quatrième avec 32 points. City avec 34 points sont second. Et les Spurs qui s'envolent avec 39 points. C'est énorme. Pourtant, il me semble qu'on les avait gagnés, je crois. Je suis pas sûr. Je sais plus du tout. En tout cas, on va également se diriger vers. Les stats joueurs pour vous montrer un petit peu l'avancée des classements des buteurs. Je pense qu'on en est très loin. Combien je suis? 6ème avec 9 buts. Sonne 18 buts en 17 matchs. Ouais, franchement, ça fait chier d'être aussi loin. On verra, hein, autant je me rattrape. Mais bon, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il y a du beau monde devant. Ok, ben les gars, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à partager, vous abonner. Et surtout à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous et moi je vous dis à la prochaine.